Bon, ça y est, on rentre dans le nord. Bon, juste pour pas très longtemps parce que demain on revient en camion. On a enfin notre canapé. Vraiment, je ne m'en remets pas que demain j'ai mes fesses sur un canapé. C'est incroyable. Franchement, je l'attendais plus. Mais ça devait prendre 3 mois, ça a pris 1 mois et demi. Bref, demain je vous montre ça. Mais en tout cas, donc du coup, avec Hugo, on va en Belgique avec un camion. On descend à Paris, on dépose le canapé et on remonte. Bon, ça y est, on vient d'arriver à l'appart. C'est tout vide, vraiment tout vide. Parce qu'on va mettre le canapé. J'ai trop hâte de vous montrer, vraiment. Soulagement. Je vais vous mettre des vidéos. Je suis essoufflée. Je vais vous mettre des vidéos que j'avais juste enregistrées. J'avais anticipé parce que je sais que je savais qu'aujourd'hui ça allait être la course. J'étais en train de me maquiller. Je suis pas encore prête, comme vous pouvez le voir sur mes cheveux. Mais j'étais vraiment en train de me dire que je me sentais bien dans mon appart et que j'étais vraiment contente de ce que j'avais choisi en termes de meubles comme de déco. Parce que c'est, en fait, pour moi, c'est vraiment les détails comme la déco qui finalisent votre appartement et qui fait que vous vous sentez vraiment bien parce que c'est à vos goûts. C'est, je sais pas comment vous expliquer. Genre, par exemple, là, moi, mes tableaux, j'ai l'impression que ça fait tout dans mon appart. Je vous les montrer. Franchement, ils sont chambés de ouf. Et quand je rentre chez moi, alors certes, on a beau avoir des beaux meubles, mais je trouve ce qui apporte la touche finale. Et j'ai l'impression qu'on voit que ça dans un appartement. Et là, en l'occurrence, moi, le site où je les ai pris, vraiment, il y a des tableaux et des affiches de malades. J'ai pas encore fini de tout décorer l'appartement, comme vous le savez. Mais en tout cas, il y en a 2-3 que j'ai déjà posé comme ça pour la déco. Et ça fait vraiment canon, je vais vous montrer. Là, par exemple, vous voyez, j'ai mis ce tableau-là. Donc, ça vient de chez Desenio. J'ai pris vraiment tous mes tableaux de l'appartement sur ce site-là. Et je l'ai posé sur la cheminée. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai voulu faire comme ça. Je ne sais pas si par la suite je vais l'accrocher au mur ou pas, parce qu'en fait je voulais vraiment un tableau qui tienne sur ma cheminée. Je trouve que ça apporte quelque chose à l'appartement. Les affiches sont hyper jolies sur leur site et la qualité est vraiment incroyable. Regardez, j'ai pris celui-là. Bon, j'ai pas pris que les deux là, j'en ai un énorme de 1 mètre, 1 mètre 50, mais il faut juste que je prenne un cadre et je vous montrerai ça par la suite. Mais là je vous montre vraiment les deux que j'ai posés comme ça sur les cheminées parce que je voulais absolument faire ça dans mon appart. Donc là, comme vous savez, c'est ma pièce de dressing. Bon, toutes les chaussures là vont être rangées, mais là vraiment je trouve que ça apporte un style, sachant qu'il va avoir un grand tapis blanc, une glace énorme juste ici.